Hop. Hop. On est pas mal ? Le qui reste. Avec les deux mains. Et là, on va... Et une fois qu'il est sur ma tête, derrière ma tête, j'attrape les deux parties là, je tire et ça va l'ajuster. Pas besoin de serrer trop fort, hein, faut pas avoir la marque gravée sur le front. Tout d'abord, s'équiper pour grimper en toute sécurité. Comme chaque année, depuis 7 ans, l'Office de tourisme des Monts du Lyonnais a organisé un stage d'initiation à l'escalade, gratuit et ouvert à tous. Pour cette session matinale, les pratiquants ont entre 6 et 14 ans. Ah là, parfait! Fais des petits sauts si tu veux, hein. C'est bon ? On leur apprend déjà un petit peu les termes, le vocabulaire, le matériel qu'on utilise en escalade. Et après, c'est voilà, les prémices de l'activité, savoir les rôles, la grimpe, l'assurage. Et voilà, on leur apprend un petit peu à utiliser les prises pour atteindre le plus haut possible de leur voix et voilà, qu'ils battent leur propre record. Check. Bienvenue sur le site des Roches, à Rivry, réaménagé et entretenu par la communauté de communes du Pays Mordantais. L'ancienne carrière est un spot idéal pour pratiquer l'escalade. En accès libre, la falaise de granit est riche de 24 voies, du 3 au 6C, pour débutants ou grimpeurs confirmés. Le site d'escalade de Rivry a la particularité d'être dans un lieu naturel, c'est une ancienne carrière qui était exploitée à l'époque pour permettre à tout un chacun de pratiquer l'escalade de manière en plus gratuite. Hein. Il suffit d'être équipé, de savoir pratiquer et les voies ont été aménagées. C'est considéré comme un site école, c'est qu'il est fréquenté tous les week-ends par des amateurs de grimpe. Il est top parce que c'est un site de pleine nature. Ici, on est dans l'espace naturel de la vallée du Besançon. C'est un endroit où on est tranquille, où on est bien installé, où on peut pique-niquer, on peut grimper en accès libre, en sécurité. Il est vérifié chaque année. Et puis depuis le village, on arrive ici avec un petit chemin piéton qui est très agréable au-dessus de la falaise. Donc je vous le recommande. 5 minutes pour descendre, 10 minutes pour remonter. En l'espace de 2 heures, les jeunes grimpeurs ont pu comprendre les fondamentaux de l'activité, sentir la paroi, prendre des décisions pour choisir les meilleures prises, gérer le stress aussi. Un peu de peur, parce que des fois ça fait haut, et j'aime bien escalader parce que moi ça m'amuse et ça me défoule un peu. Et aussi parce que après je monte de plus en plus haut et après j'ai plus de confiance en moi et en mon partenaire. Confiance et prudence comme vertu de l'escalade, ce matin-là, au grand air de Rivry, de nouvelles passions sont peut-être nées pour gravir des sommets.